Mesdames et messieurs, je vous présente Ève de Bois, la réalisatrice. Olivier Rabourdin, l'acteur principal du film. Je vous propose qu'on fasse un petit débat. Profitez-en, ils sont là pour vous. Moi, je vais me lancer pour la première question et je voulais savoir, Ève, pourquoi tu avais choisi de venir tourner ici, à Céré, et comment, voilà, pourquoi? Ah, pourquoi? D'abord, juste dire que je suis ravie de vous voir voilà, si nombreux ce soir. J'ai connu la Catalogne par le côté espagnol, juste de le côté de la frontière. Et c'est des lieux, en fait, qui m'ont inspiré cette histoire. Voilà, j'avais des personnages en tête, ce père incarné par Olivier Rabourdin, cette jeune fille incarnée par Pauline Etienne, et ce duo fusionnel. Et puis... J'ai eu envie de les ancrer dans ce paysage-là, cette nature, le vent, la chaleur, les contrastes forts, ombre, lumière. C'était des choses que je voulais beaucoup pour les images du film et pour cette nature comme ça dans la région qui, moi, me semble toujours particulièrement touchante parce qu'elle est passionnée un peu comme les personnages que j'ai imaginés. C'est une nature très vivante, très en mouvement. En fait, on a pris des options à la fois pour les lumières de jour, les couleurs, les lumières naturelles, et puis pour les nuits, c'était délicat parce que, en fait, c'était très vaste, justement, à éclairer. Et le principe général, puisque votre question est un peu technique, effectivement, c'est un projecteur en haut d'une tour. D'une grue. Je crois d'ailleurs que les services de la ville de Céret ont été très très utiles pour la grue. Et puis en haut, il y a un projecteur en fait très fort qui comme ça nappe en quelque sorte le paysage, une lumière que je voulais lunaire. Mais disons qu'il y a eu tout de suite un espèce d'effet magique de voir cette nature-là justement dont je parlais tout à l'heure qui nous touchait en plein jour sous le grand soleil. Bah, là dans la nuit... Il y avait quelque chose de l'ordre du conte tout de suite qui opérait. Et en fait, du coup, des choses que j'avais, moi, voulu déjà dans le scénario, comme le fait que, par exemple, ce père soit un peu... et quelque chose d'un ogre touchant quand il s'endort, quand sa femme... Vous voyez, je fais moi-même le lapsus. Quand sa fille, qui joue un peu le rôle de sa femme, l'aide à s'allonger comme ça sur le canapé... Moi, ce personnage-là m'a touché, surtout il m'intriguait. C'est, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire, j'arrivais à le suivre au début, d'accord, c'est un père, plutôt sympa, un petit peu psychorigide, pas le genre de père que je suis moi, moins cool. Et puis, il y a cette femme qui revient, il y a cette scène entre eux, et puis sur l'énervement, il l'attrape, il la fout dans la cabane à outils, ça je comprenais. Il y a un moment où il lui ouvre pas et je dis non, mais là il a un pet quand même. Et justement, c'est là que ça m'intéressait, c'est-à-dire de me dire, eh ben, le seul moyen de savoir, de comprendre humainement, c'est de le faire. Et c'est au fond, ça rejoint le théâtre, parce que ça, c'est un truc formidable que disait Jean Villard. Il disait, on joue parce qu'on n'y comprend rien en pièce. On joue pour comprendre. Mais demandé pourquoi j'ai accepté, à cause de cette histoire-là, de ce personnage-là. Et ensuite, j'ai rencontré Ève, et aussi à cause de la rencontre avec Ève, j'ai accepté. La manière dont on s'est parlé un jour dans un bistrot, ça m'a donné envie aussi. Voilà. Ce chalet donc, que nous avons brûlé, où ils vivent, enfin nous on l'appelle le chalet, cette petite maison en bois... de leur vie quotidienne comme ça depuis des années. Le fait de le brûler, en réalité, on ne savait pas à l'avance ce que ça allait donner, si vous voulez.
Et donc moi j'ai découvert, comme on travaillait beaucoup, on enchaînait les journées de tournage, et effectivement moi je ne pouvais pas m'arrêter pour venir voir brûler les lieux. J'étais en tournage ailleurs, à la rivière, je filmais la baignade, et donc quand je suis revenue dans la nuit un soir de tournage, après une journée de tournage, j'ai découvert, en fait une tramontane s'était levée pendant que les pompiers faisaient brûler la maison. Et donc, ils avaient dû interrompre l'incendie. Mais ce qui, justement, était superbe, c'est qu'ils restaient vraiment, vraiment les traces de leur vie quotidienne. Et ce que nous avons filmé, qui n'est pas truqué, donc c'est vraiment les vestiges d'un incendie. Tout était calciné, mais il restait ces objets qu'eux avaient touchés, les verres, les choses qu'ils avaient utilisées, mais qui étaient craquelés. Enfin voilà, moi j'ai découvert tout ça dans la nuit avec ma lampe de poche, et puis dès le lendemain, on a tourné dans ces lieux. Donc c'était comme un nouveau décor qui vous est donné, imposé, offert, c'est un mélange de choses. Et forcément c'était la fin du tournage, puisque c'était brûlé, c'était forcément la fin. Et donc tout ça a créé, voilà, je pense pour nous, une forme de, aussi d'émotion et... que je recherchais aussi, voilà, pour travailler sur le deuil de quelque chose en fait. Je sais qu'il y a des gens qui ont travaillé sur le film dans la salle, donc si vous voulez bien tous venir ici pour qu'on vous voit et qu'on profite de votre présence. Je rectifie juste une information, c'est pas la tramontane, c'est le vent d'Espagne qui nous a obligés à arrêter le feu. Ah, puisqu'il menaçait la vraie pépinière de la vraie vie. Voilà. On a failli tout brûler pour de vrai, donc on a limité les frais, la casse. C'est le vent d'Espagne. Il souffle 8 jours par an dans la région, je veux savoir. On a un jour une malchance. Vous pouvez nous dire en deux mots votre terme sur le film, peut-être, que vous avez fait. Constructeur du chalet et constructeur de la maison de la mer. Et vous aussi? Et Florent, moi-même, non, on était stagiaire en fait. D'accord. Moi j'étais à la régie. Béatrice était la régie générale avec qui je travaillais. Et voilà, Jordi était à l'équipe déco. Et si on parle de signes, moi je trouve qu'il y a un joli signe, c'est que pour un film qui s'appelle Paradis perdu, on avait quand même réuni Ève et Adam dans la même équipe. Donc ça ne pouvait que bien se passer. C'était un film qui était à peu près impossible à faire, étant donné le peu de moyens qu'il y avait, le peu de temps qu'il y avait pour le faire. Et l'ambition du truc, c'était à peu près irréalisable. Et vraiment, la seule chose qui a fait que, par miracle, ça s'est fait, c'est cette équipe-là, quoi. Parce qu'ils ont été vraiment corps et âme tout le temps, quoi. Et tout le temps à fond. Et la ville de Céret. Et la ville de Céret, enfin, vous, je vous ai vu tous les jours, quoi. Mm-hmm. Voilà. Et moi, je rajoute que, en région, nous avons beaucoup de techniciens qui n'ont pas forcément beaucoup de travail. Ils essaient de rester ici, ils essaient de travailler ici. On trouve toujours dans la région quand même des techniciens qui ont un savoir-faire assez important. Et ça, c'est... Voilà. Ça mérite d'être souligné.